Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, votre gouvernement a annoncé un calendrier de déconfinement qui nous permet d'envisager un retour progressif à la vie normale. Ce calendrier est nécessaire, encore faut-il déployer la méthode qui permettra de le réaliser. Le Conseil scientifique vous a d'ailleurs mis en garde il y a quelques jours en insistant sur la nécessité de faire preuve à la fois de prudence et d'anticipation pour réussir les différentes étapes. Il faut l'écouter attentivement cette fois-ci pour ne pas reproduire les erreurs précédentes. Vacciner tout d'abord. Le Conseil scientifique le rappelle à juste titre, il est fondamental d'atteindre un niveau de 500 000 vaccinations par jour, y compris durant les périodes de week-end, de printemps, c'est-à-dire 35 millions de personnes primo-vaccinées d'ici au mois de juin. Alors pour ce faire, vous venez d'ouvrir aujourd'hui largement la vaccination. Mais cet élargissement ne doit pas se faire au détriment des plus fragiles. Je rappelle, il y a plus de 5 millions de personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Ou encore aux dépens de professions qui sont particulièrement exposées. Je pense à toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne, aux enseignants et bien sûr à nos gendarmes et policiers mobilisés sur le terrain, à qui nous rendons un hommage particulier en cette triste journée particulière. À ce titre, la vaccination offerte aux policiers et aux gendarmes de plus de 55 ans, décidée le 15 avril dernier, doit aujourd'hui être élargie à l'ensemble de ces personnels sans condition d'âge. Enfin, cette montée en puissance de la vaccination doit impérativement s'accompagner d'une organisation rigoureuse autour des campagnes de tests. Tester, c'est la clé de la réussite pour éviter les pics de contamination. Et à cet égard, il faut préparer, développer des autoprélèvements supervisés dans les lieux publics, les écoles, les universités et sur les lieux de travail. Alors, Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de concilier une montée en puissance de la vaccination qui respecte une priorité au personnel particulièrement exposé et la mise en place d'une stratégie massive d'autotests pour réussir un déconfinement serein ? Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Des tensions existent dans de nombreux pays comme la Colombie ou la Palestine, qui sont le théâtre de violences préoccupantes. Mais je souhaiterais revenir sur la situation en Birmanie. Comme vous le savez, depuis les arrestations brutales d'Aung San Suu Kyi et du président Win Myint et le coup d'État militaire du 1er février dernier, l'état d'urgence a été proclamé pour un an et des généraux placés aux principaux postes. Après mes questions en séance publique le 2 février et en commission le 2 mars, la situation birmane ne s'est pas arrangée. La junte continue ses exactions, les personnalités détenues le sont toujours et les manifestations populaires sont réprimées avec de plus en plus de violence. Vous avez été informé que des députés ayant réussi à échapper aux arrestations ont constitué un gouvernement en exil, incluant, pour la première fois, des représentants de toutes les ethnies du pays. Ce gouvernement constitue, pour les citoyens birmans, un immense espoir dans un contexte éprouvant. Au-delà d'un pays qui tourne au ralenti, au-delà d'une armée qui reste soudée et puissante, l'engagement d'hommes et de femmes de tous les horizons constitue un progrès encourageant. Car c'est bien l'inclusivité qui caractérise ce gouvernement. Sa composition même envoie un message positif et constitue indéniablement une avancée vers la résolution des problèmes qui minent la Birmanie depuis des décennies. Face au blocage systématique de toutes les initiatives des Nations Unies, du fait du veto russe et chinois, quelles actions complémentaires notre diplomatie et celle de l'Europe envisage-t-elle ? Et surtout, est-ce que la reconnaissance de ce gouvernement d'unité nationale est à l'ordre du jour, comme cela serait envisagé par les diplomaties américaines et britanniques ? Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Les négociations sur la prochaine politique agricole commune se poursuivent avec la préparation du plan stratégique national. Face aux défis imposés par le changement climatique, la PAC post-2020 sera centrale. Nous savons que la bonification de notre système agricole vers l'agroécologie et la reconquête de la biodiversité sont deux enjeux fondamentaux. Agroforesterie et haies font partie intégrante des pratiques agroécologiques. Or, pendant de nombreuses années, notre pays s'est tourné vers une agriculture agro-industrielle qui a conduit à la destruction d'un grand nombre de haies et de vergers. Heureusement, des agriculteurs ont résisté à cette vague et ont conservé leur patrimoine agroforestier malgré peu de soutien.
Les arbres et haies jouent un rôle capital dans la lutte contre l'érosion des sols, pour la reconquête de la qualité de l'eau, la retenue des intrants et la captation du carbone, et répondent ainsi à l'impératif de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut maintenant que les actes soient en adéquation avec les ambitions affichées. Le plan de relance a consacré plusieurs millions d'euros à ce sujet, ce qui est à saluer. Maintenant, deux signaux forts sont attendus dans la prochaine PAC. 1. Des financements pour permettre aux agriculteurs de maintenir ce patrimoine qu'ils ont entretenu jusqu'à présent. Et 2. Des financements pour inciter les agriculteurs à replanter. Pour cela, il me semble indispensable que les arbres et les haies soient définitivement intégrés dans les éco-régimes. Ce nouveau dispositif prévu dans le premier pilier de la nouvelle PAC pourrait notamment s'appuyer sur les infrastructures agroécologiques afin de favoriser une gestion durable. L'intégration du label haie serait un pas important pour amplifier la conversion agricole. Monsieur le ministre, quelles mesures seront prises en faveur de l'agroforesterie dans le cadre du plan stratégique national et notre pays appuiera-t-il le label développé par la FAC Agroforesterie ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Actuellement, des millions de personnes dans le monde n'ont pas vraiment guéri du Covid, entre 10 et 30%. L'OMS a d'ores et déjà reconnu le Covid long. De quoi s'agit-il ? De symptômes prolongés, fluctuants, multisystémiques, développés lors de la phase aiguë et qui persistent. Essoufflement, fatigue extrême, brouillard mental, difficultés de mémoire, douleurs articulaires, fourmillement, perte d'odorat, troubles du sommeil. Voilà parmi les nombreux symptômes identifiés. Concrètement, ces patients vivent une certaine forme d'errance médicale alors qu'ils subissent un réel handicap, voire une perte d'autonomie. Savez-vous qu'il est parfois nécessaire de recourir à une rééducation respiratoire face à une respiration devenue dysfonctionnelle. L'absence de reconnaissance, couplée aux conséquences sociales, de perte d'emploi, de vie de famille perturbée, ainsi que les incertitudes sur les séquelles, puisqu'on parle déjà de certaines qui seraient définitives, sont à l'origine d'un sentiment d'abandon que nous devons entendre. Si les recherches sont absolument indispensables pour aboutir à des traitements efficaces, la reconnaissance du Covid long comme une maladie à part entière est notre responsabilité du moment. Nous avons applaudi les soignants, salué leur engagement, loué leur dévouement. Et effectivement, nous leur en sommes tous tellement reconnaissants. Maintenant, il faut passer aux actes, car nombreux sont les soignants affectés par ce Covid long. Leur maladie n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Comment pouvons-nous les abandonner ainsi, alors qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts, sont montés au front sans hésitation, comme nous l'espérions ? Envisagez-vous, Madame la Ministre, de répondre à cette difficulté en posant le principe d'une présomption de lien dès lors que la maladie a été contractée par le soignant alors qu'il était en activité pendant la pandémie, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la reconnaissance légitime comme maladie professionnelle. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, les départements sont les chevilles ouvrières des solidarités. Solidarité territoriale, mais aussi solidarité humaine. S'ils revendiquent régulièrement une meilleure prise en compte du reste à charge des AIS, allocations individuelles de solidarité, pour lesquels l'ADF a engagé des négociations avec le gouvernement, ces collectivités territoriales assurent et assument pleinement leur mission. Comme le rappellent à juste titre nombre de leurs présidents, comme l'a démontré également la crise sanitaire, les départements ne font pas de bruit, mais ils font le boulot. C'est aussi le cas pour la mise à l'abri et la protection des mineurs non accompagnés, puisque la compensation par l'État reste conditionné à la signature d'une convention AEM appuyée à l'évaluation de minorité. Par ailleurs, nous ne pouvons que déplorer ces situations dont la presse se fait l'écho, de jeunes dont l'accompagnement cesse brutalement lorsqu'ils atteignent 18 ans. Il est en effet regrettable que la régularisation de ces jeunes qui ont brillamment réussi leur parcours d'insertion et d'intégration ne se fasse souvent qu'à la faveur d'une forte mobilisation de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle une proposition de loi tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers prise en charge par l'ASE a été déposée par Jérôme Durain et plusieurs de nos collègues. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer votre position quant à la prise en charge effective par l'État de l'accueil d'urgence de ces jeunes, ainsi que les dispositions qui pourraient être prises à destination des préfectures afin d'assouplir la régularisation lorsque l'employeur atteste de la qualité professionnelle et de la parfaite intégration de ces jeunes ? Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et j'y associe notre collègue Jean-Claude Tissot, sénateur de la Loire. Monsieur le ministre, les fédérations des entreprises de l'artisanat et du bâtiment nous ont alertés sur la pénurie de matériaux et la flambée des prix qui les impactent. En dépit de leur mobilisation auprès des pouvoirs publics ces derniers mois, rien ne semble avoir été fait pour anticiper cette situation. Elles connaissent en effet les plus grandes difficultés à s'approvisionner en bois, dérivés de bois, polyuréthane, polystyrène, plaques de plâtre, pour ne citer que quelques exemples. Le prix de l'acier et du PVC ont augmenté respectivement de 106 et 114 %, celui du cuivre de 51 %. Tout le paradoxe est là. Alors que les demandes des particuliers et la commande publique en matière de construction sont en hausse, les entreprises risquent de ne pas pouvoir les satisfaire faute d'approvisionnement correct. Ces pénuries entraînent déjà l'arrêt de certains chantiers et vont certainement impacter en conséquence de nombreux corps de métier, et ce dans un contexte de relance économique et de préservation impérative de l'emploi. Bien que la crise sanitaire ne soit pas étrangère à ces difficultés, celle-ci était cependant prévisible puisque nous ne maîtrisons plus les chaînes d'approvisionnement de matières premières ou de produits semi-transformés dans de nombreux secteurs. Le cas du bois est révélateur. Depuis plusieurs années, les grumes françaises, le chêne en particulier, sont massivement exportées vers l'Asie et la Chine à un prix supérieur de 25 à 30% à ce que les scieries françaises sont en mesure de proposer pour être ensuite importées, si la Chine le veut bien, une fois transformées. Les professionnels de la filière bois ont pourtant maintes fois alerté sur le manque croissant de matières premières pour les transformateurs locaux sans être pour autant entendus. Aujourd'hui, nous en voyons le résultat. C'est tout le tissu manufacturier français qui est menacé et cette situation interroge fortement, une fois de plus, notre souveraineté industrielle. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour garantir cette autonomie nécessaire au bon fonctionnement de notre industrie si l'avenir nous réserve de nouveaux épisodes de crise, quelle que soit leur nature ?